Viewers et viewers, bonjour et bienvenue pour un tout. Vous avez demandé un clic, ne quittez pas. Nouvel épisode de Star Click Online saison 2. Vous voyez que je vous l'ai promis, la suite après le Zep Click, c'était de pouvoir travailler sur l'aquarium. Et pour cela, j'ai commencé vous voyez, à travailler un petit peu la déco. Et puis j'ai du merde, je vais appeler des copains, ils vont venir m'aider. Ça va être beaucoup plus fun à plusieurs. J'ai avec moi, regardez, il est beau, il est tout violet, il est tout rose. Ouh, il est kiki rose. Monsieur Tado. Tu rose? Ouais, t'es rose bonbon. Oh putain, merde. C'est vrai, t'es rose bonbon. Moi, je suis tout noir, mais t'es tout rose. Nous avons aussi, donc je rappelle, un Tado responsable du centre équestre, un branleur de poney professionnel. De père en fils, fils de charbonnier. Ah non. Nous avons aussi un de mes employés du zoo, cet homme, regardez à son monocle, c'est Robin of the Wood. C'est mien, ne coule pas. Salut. Il y a cet homme, il m'a aidé à faire beaucoup des endroits de cette maison, jusqu'au bout. Il s'appelle Dark Oro. Je sais pas pourquoi j'ai rajouté un Dark devant. Pourquoi Dark? Je sais salut, pas. Salut, salut. Et enfin, regardez, il est déjà dans son habitat naturel, il est dans l'eau. Il ne marche que dans l'eau, cet homme. C'est Barbat. Aussi un employé du zoo, responsable du parc aquatique, qui va donc nous aider. C'est Sénor, la truite. Salut. Ça va, mon Sénor? Ah oui, je suis motivé pour cette petite déco de l'aquarium. Rappel de l'aquarium. Dans ta voix, hein. Rappel de l'aquarium, on a travaillé les lumières. C'est un système de redstone qui permet d'allumer et d'éteindre, en fait, de les alimenter. Et c'est du Wi-Fi qui les allume grâce à Electrical Age. Donc, au niveau de la déco, le choix qui a été fait pour l'instant, et les copains, on va continuer cette déco avant de le remplir aujourd'hui. On va le remplir et on va sûrement les capturer nos premiers poissons. Puisque dedans, je vais mettre du saumon, des choses comme ça. J'ai quand même peur parce que vous voyez, c'est un bassin au-dessus. Et j'ai peur, en fait, que les requins et les raimantas se tapent dans le... Dans le toit. Dans le toit. Bon, on verra. Hein. On verra bien. Truc bizarre. Il y a Kiki qui oui. Est au-dessus de la corde. C'est Kiki, voilà. D'ailleurs. C'est à qui, Kiki? C'est le lapin de kiwi. Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout là? Est-ce qu'on c'est Didi. Oh, le mini troll. Non, l'admini-troll nous fait un truc de marionnette, ah. C'est trop bien. Est-ce que l'admini-troll, on pourrait avoir le son dans ce petit théâtre de Kiki? Malheureusement, le son est en panne. Oh, j'aurais tellement aimé Adminitroll que vous popiez en disant « Salut, c'est moi, c'est Kiki, le petit lapin !» Bonjour, monsieur Adminitroll, vous êtes toujours de la partie, en fait. Bon, je peux. C'est chelou, t'as l'impression que c'est le lapin qui te parle. Ah. Bon, Kiki, à tout à l'heure. Touché. Il faut pas tuer Kiki, hein. Ah bah non, on tue pas Kiki. Donc, on travaille avec du Jungle Wood sur la déco, parce que je trouvais que ça faisait bien exotique pour aller avec l'aquarium. On travaille aussi avec, vous voyez, les branchages, enfin les feuilles. Et j'aimerais, les gars, je trouve ça pas mal, je trouve que le rendu est plutôt sympa. En plus, avec quand ça bouge, etc. Et surtout, alors rassurez-vous, hein, ces feuillages-là, il n'y a pas de bois en dessous, mais elles tiendront parce qu'on les a posés à la main. Mais j'aimerais qu'on rajoute en fait de la sandstone et du sable pour essayer de faire un récif un peu sur l'arrière. Tu sais que par exemple, vers le milieu là, ça vienne jusque là. Donc il nous faut de la sandstone. Est-ce que j'ai de la sandstone? Est-ce que quelqu'un en a? C'est une très bonne question. Je vais aller voir dans mes coffres. Il me semble qu'on peut en crafter avec du sable. Cool. Eh les gars, il y a quelqu'un qui m'a créé une piscine. Ouais, à l'étage, ouais. Alors, on peut en créer avec le sable sinon, mais est-ce que j'en ai encore en rab? Oui, de la sandstone avec le sable, c'est pas... Oui, ça on sait. Moi j'ai de la... J'en ai peut-être un peu de la sandstone. Et j'ai de la sandstone. Bon, si t'as les deux, ok, à voter. Si t'as les deux, tout va bien. Hop. Pourquoi ça clignote? Adminitroll, ouais, c'est ce que j'allais te demander, en fait. Non, mais c'est les esprits, ça. Ça, c'est l'admini-troll qui allume, non? C'est pas moi du tout. C'est une maison hantée. C'est un problème de courant, en fait. La maison hantée. Ça sent encore les réplicateurs qui m'ont bouffé tous mes câbles. J'en ai marre. Tu fais pomper tout en jeu, encore. Ils avaient planqué quelque part dans la maison, et là, ça... Je les entends. J'entends les... Et résultat, ils sont en train de me bouffer tout le jus de la maison, les salauds. Vous voyez qu'il y a que les lumières. Du coup, on a plus de lumière, quoi. Je trouve que ça fait très récif, c'est sympa l'habillage entre sable et... Je trouve que lui, il est de trop. Je trouve qu'il est de trop. Ouais. Donc, comment on va faire ce récif? Je suis en train de réfléchir un petit peu. En fait, j'aimerais qu'en gros, ici, ça vienne jusque là, quasiment, mais plus en l'air. Merci bien, monseigneur. Plus en l'air, mais comme pas une arche, il faudrait que ça soit très aléatoire. Je sais pas trop comment bosser, là.
Tu sais, des fois ils font des châteaux. Ouais, non, mais non, je veux pas un truc tout kit, je veux faire, tu vois, un peu comme si t'es ça où les poissons vont se balader dedans, pas trop, pas trop bas. Tu vois, un peu comme j'ai fait là sur le côté. C'est organisé sans lettres, c'est de la merde quoi. Ça me plaît bien ce concept, tu vois. Bah vas-y, pose les blocs aléatoirement. Ça ouais, que ça fasse naturel quoi. Qu'est-ce qu'il y a? bien joué, Admini 3, là tu es Tado. Jogé, Tado, vous m'avez dépassé en termes de mort, largement. Ah ouais, mais alors, comme tu le remarques, j'ai déjà au moins deux morts à mon actif dû à un certain. Un certain. Plus. Ouais, on va pas te citer de nom, mais je suis pas content. D'ailleurs, Snyder aura bientôt son gage. Ah, Snyder arrive bientôt oui. Au 50. Et en fait, j'avais trouvé la faille, le problème. Quelqu'un a du sable? Ben oui, j'en avais. J'ai un bloc de sable. Moi j'en ai, mais. Cool, cool, cool. Il en a, mais il est mort. J'essaye donc. Un truc, hein, donnez votre avis. Faut le temps que je revienne. Je voudrais un deuxième ici, en fait. Réfléchissons. Attention, Alex décor. Non, c'est pas gagné, hein. Je t'avoue que là. Ouais, voilà, c'est ce que en fait, on dire, était parti pour remplir. Je vous avoue qu'au moment du tournage, on m'a dit c'est bon, on va remplir. On s'est mis devant et ils m'ont fait. Mais t'as pas fait la déco, Alex? Bah non. Pourquoi? Et pourquoi donc? On a un squatter. Alex. C'est foncièrement dégueulasse. Ouais. Ah bonjour Épée. Salut, coucou Épée. Bon. Épée aurait pu être sûrement le spécialiste de la déco. Hein. Il est connu pour Épée. Hein. Valérie Épédo. Donc, c'est foncièrement dégueulasse ce que je suis en train de faire en fait. Il y en a non, pas c'est un. C'est cool pour... comme ça, Alex. Tu trouves ça cool, toi? Ouais. Ténor jingle, s'il te plaît. Jingle? Bah ouais, c'est bien. Là, ça sert... comme ça. D'habitude, tu places un jingle. Ah mais ouais. Là, je les ai pas. Je suis désolé. Je les ai pas préparés. Ouais, je pense pas que t'as besoin d'en mettre plus que ça, Alex. Non, ça fait, ça va faire. Ça va trop charger après. Ça va être trop plein après. Ça fait cheap. Tu peux en mettre un dans le mur au pire, là, si tu voulais rajouter une sandstone, mais ici. Non, c'est trop chargé sur ce côté-là. En fait, c'est cet endroit-là. L'avant me choque pas trop, tu vois, on a ce truc vraiment en médiane qui est là. Alors, dans un vrai aquarium, je vous avoue que je suis fan d'aquariophilie. Je fais le poisson, allez-y. Je suis fan d'aquariophilie et j'en ai un certain nombre. J'en ai eu un certain nombre depuis des années. Et c'est vrai qu'en aquariophilie, on peut travailler ou sur trois plans. Il y a énormément de choses possibles après travailler sur du minimaliste ou pas. Enfin, voilà. Et là, le problème, c'est que clairement, on n'est pas dans un aquarium classique. J'ai pas de plantes qui sont des plantes d'aquarium ou de bassin qui me permettent d'avoir toute la dimension. Je pourrais le faire avec Coral Reef, mais on a décidé de pas le mettre, Coral Reef, parce qu'au moment où j'ai eu l'idée, on avait déjà implanté le serveur depuis un bout de temps et ça voulait dire recharger beaucoup de choses et peut-être créer des bugs. Voilà. Mais c'est vrai qu'avec Coral Reef, on aurait pu faire, y aurait eu tout ce qu'il faut. Là, on est un peu avec les moyens du bord. Je vous avoue qu'en plus, je suis pas le meilleur décorateur du monde. J'adore pourtant les aquariums, mais là, c'est pas ça. Donc, ok, qu'est-ce que. Attends, je regarde un peu. En même temps, moi, ça choque je trouve pas que c'est trop. Bien comme ça. C'est t'as pas mal. En mettre plus. Faut pas qu'il soit trop surchargé. Pas que ça soit trop chargé quoi. Non plus. C'est pas mal. Après, je trouve que ça fait beaucoup de branchages ici. Est-ce qu'on casserait pas un peu le. Là. Ça. Voilà. La double hauteur ici, peut-être, Jen, je trouve la vue. En face de toi. En face de moi. Le feuillage. Ici, quand vous êtes devant, ouais, je trouve que ça gêne la vue. Non, t'as raison, on casse ce qu'il y a derrière. Alors que comme ça, on utilise aussi du bois. Je trouve que c'est bien, pas trop. C'est pas mal comme ça. Bon. On sera sûrement amené à le modifier, puis vous aurez peut-être des idées à nous proposer. Donc justement, on va bien voir comment ça se passe. Bon, ce qu'on va faire, messieurs, on va le remplir. Je vais prendre des seaux. Où est-ce que j'ai foutu mes seaux? Ils sont là. Moi, j'en ai un. Deux j'ai sorti ma tasse pour remplir. T'en veux un deuxième ou pas un euro? Non, un seul ça suffit. Une fois qu'il y a une source infinie dans l'aquarium. Deux seaux. Alors, je voudrais que l'eau arrive vraiment à ras-bord. Hein. L'idée c'est bien ici. Attends, c'est ici hein, l'idée. Voilà, l'idée c'est bien que ça arrive ici. Donc, si j'ai bien compris, on fait étage par étage. C'est à peu près ça. C'est donc, ça. Premier étage. Il faudra une source La truite, il a pas fait de source d'eau. Il a posé un truc. Il fait bon, bah c'est bon, j'ai fini.
Alors moi, je sais pas trop comment ça marche, donc je pose mon eau et alors, je nage. Hein. On va te montrer, justement. Quand tu poses un bloc d'eau. Oui. D'accord. Attends, j'attends que le premier étage soit terminé ici. Hop. Ça patauge bien. Ah oui, ils font ça très vite. C'est hallucinant. En fait, l'eau, moi j'aurais passé la journée. Hein. De stabiliser non, non. L'eau va stabiliser à partir du moment où tu as deux seaux. En fait, tu peux venir sur le bloc d'avant chercher ton eau. Alors c'est chiant à le faire en fait avec le shader. Avec le shader, tu vois pas les sources. Faut que je gère le shader, je vois pas les sources. C'est hyper relou. Oh putain, ah sans le shader ça pique. C'est brûlant. On en voit pas. Oh putain, c'est hyper lumineux sans le shader. C'est un truc de dingue. Oh la vache. On va baisser la lumière. Et donc là sans le shader, vous voyez, on voit qu'ici c'est déjà une source. Mais ici. Donc là, on va aller vite à le remplir, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus long. Putain, c'est affreux. C'est affreux. Est-ce que quelqu'un aurait de la vitre pour bloquer le. Ouais, ouais, je l'ai. Attendez. Il y a une rustine qui a été posée. On a posé une rustine. C'est bon, on peut enlever la rustine. Vas-y, épée, enlève la rustine, épée. Épée, elle nous entend pas. Je casse la rustine. Vas-y, casse la rustine. Go. Allez, ferme. Voilà. Là. Et maintenant, espérons qu'épée nous nourrisse une fois de temps en temps. Épée, on veut de la bouffe à poisson, s'il te plaît. Bah, Sénor, lui, il sera dans son élément. Il moi, est bien regardé. Et vas-y, va sous l'eau. Mais parfait. C'est toi qui vas habiter dedans. On dirait des poissons dans l'eau, c'est le vidéo. Bah, Épée, si tu savais ce qu'on est en train de raconter. Donc, moi, je pars sur ce côté-là. Non, ah bah oui, bah, mets des torches, Alex. Mais Alex. Alex, il passe des torches. Torche sous l'eau. Ouais. Alex, on va voir s'il arrive à choper sa propre source. Là, il faudra attaquer par le fond parce que sinon, on n'aura plus d'espace d'air. Oui, bah c'est ça. C'est pour ça que j'attaque par le fond, moi, personnellement. Mais on est 25 dessus. Voilà. Donc... Ah ouais, il rigole pas. Méa, il ne rigole pas quand il pose des sources d'eau. Ah bah, je t'ai déjà dit que j'avais vidé entièrement une baie pour la sabler dans le fond. Et puis après, je l'ai re-rempli. Ok, t'es une médaille. Donc, non, c'est que j'ai l'habitude, du coup, j'ai la main. Ça va arriver vite. J'attends que le. Non, par contre, il veut bien une sucette, un sugus, une. Ouais, je veux bien une sucette. Bon, on va commencer après par ici. Voilà, ici. Ça remue, hein, c'est chiant. Oh putain. Ça tend. Partout. Je vais vomir. Je vais vomir aussi. Plouf. Plouf. Ah oh bah, mais là, il déconne, zéro. Tu prends des vagues, j'ai l'impression d'être un pauvre bateau face à des. Oh putain, je vois rien. Bon, j'attends que les gens. Je vais monter à la surface, ça sera mieux. Sénor va mourir. Sénor va gueuler parce qu'il va mourir. Sénor, tu sais que tu ne respires pas sous l'eau. Si. Si, rien du tout. Si, la famille, si tu veux. Mais donc, on va remettre les shaders. Ouais, remettre les shaders, c'est vraiment horrible. Oh putain, mais la différence. Oh, mais pour travailler, c'est vrai que tu entends enlever les shaders, mais c'est tellement. Oui, l'apport, c'est un peu plus sombre, mais. Donc là, on va aller voir en dessous d'ailleurs ce que ça donne avec l'eau et les shaders. Et donc ici, on va mettre des crabes à l'extérieur dès qu'on en aura trouvé. Et dedans, on mettra des poissons. Les crabes, ça s'attrape avec des filets. Je vais vous montrer le craft du filet d'ailleurs. Attendez. Juste avant, je vais aller chercher une chose. Très vite. Je vais chercher. Il y a une truite qui se baigne. Des strings. Bah, la truite, elle a cru que c'était chez elle. Ah, il y a quelqu'un quoi. Qui t'a donné à manger, je croyais. Un jus de carotte. J'ai un loup-garou au cul. Tout va bien. On va prendre du string. Hop. Il est où? Mais t'as pas bientôt fini de gueuler le loup-garou, nom de Dieu, rentre chez toi! Bon, il est en train de me faire mal quand même, le pépère. Mais allez, casse-toi! Casse-toi! Tu te fais attaquer, mais t'as pas de temps? Non, non, je suis parti chercher du string, comme ça moi je peux faire, mais. Oh, Tado il est arrivé, il lui a mis un uppercut au loup. Au loup-garou, Tado il est arrivé. Moi j'ai pas d'épée en or par contre, hein. Fous-moi le camps. Moi j'y suis allé avec mon épée en diams. Ah, mais pour les tuer, il faut méga coup. Ah, mais Tado il est arrivé, il lui a mis un uppercut quoi. Donc, ça et ça orange, voilà, je vous montre juste avant, on va voir ce que ça donne. C'est qui est encore en train de mourir? Sénor, il a toujours pas compris. C'est Sénor, il se blesse. Sénor, il est certain d'être un poisson assez fortement dégueulasse. Sénor, on donne à manger aux poissons là en fait. Pendant que tu es dedans, peux-tu virer. Les deux blocs d'herbe. Les deux blocs d'herbe les plus vers la vitre, ceux qui sont devant moi. Je voudrais que tu les vires s'il te plaît. Sauf qu'il faudra voilà. Reposer. Non, faudra pas reposer de l'eau, ça va passer non. Tout seul. Ah non, t'inquiète. Voilà, c'est foncièrement dégueulasse, putain. Oh, l'aquarium, il est foncièrement dégueulasse. Oh, ça non, fait c'est... des carrés. Ah, ça manque de lumière, je trouve, peut-être. Attends, il faut peut-être essayer sans les shaders. C'est peut-être les shaders qui font c'est ça. Très bien. Hein. Moi, je le trouve joli. Ah, sans les shaders, c'est magnifique, sans les shaders. Sans les shaders, c'est bon. Ben, c'est qu'Alex, il joue avec les shaders.
J'arrive pas à tourner avec les shaders, moi. Je tombe à 12 FPS. Mais attends, je vais prendre Chocapic. Ah, Chocapic, ça va être orange. Ça va être. C'est Chocapic, on est en mode musarène. Voilà. on est en orange. Putain, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, c'est énorme. On va avoir un souci pour les aquariums du zoo. Il va Pourquoi falloir. Ah, pour la décoration. Tu parles. Il faudrait peut-être trouver d'autres shaders. Non, pour que tu ressortes de l'eau. Ah, ah lui, il a. Regardez-le, le Cénor là. Il est bien, apparemment. Je fais une demi-heure qu'il est barbote. Regardez, moi, j'ai un Cénor à la maison. Je lui ai fait son habitat naturel. Il voulait une maison. Ça est fait. Mais c'est quoi tout ce monde qui me regarde? Il se cache, du il coup, s'est il caché derrière. Ça peut être. Moi, j'ai besoin de respirer, moi. Quelqu'un a pas une potion. Il remonte à la surface, ah, comme les requins. Eh, mais mec, viens, on fait des spectacles. Putain, je suis dégoûté que ça donne ça avec les shaders. Je vais voir si on peut pas optimiser le shader pour que ça fasse un peu plus lisse. Ouais, trouver un autre shader, peut-être. Oui, tu trouves un autre shader, sinon il doit y en avoir un. Mandat épée. Hein. Épée spécialiste oui, du shader. Je verrai avec lui, parce que lui, il adore modifier les shaders. C'est son dada. Bon, c'est pas très grave. On verra ça. Et les lumières de ce fait-là, on voit pas la diff. Hein. Putain. Et sans les shaders pour voir. Sans les shaders, tu dois voir la différence entre lumière et pas lumière. Ouais, ouais, mais sans les shaders, en fait, t'as les lampes de derrière, elles suffisent, en fait. C'est tellement vif, sans les shaders, c'est Qu'est-ce que c'est qu'éclaire d'ailleurs, au milieu, là? C'est les lampes de dehors? C'est de la lampe de redstone. Ouais, c'est les lampes de dehors. Bon, on va trouver une solution, parce que là, ça fait vraiment dégueulasse. Et je voulais absolument qu'on ait de la glace entière. De la vitre et non pas du panel, parce que je trouvais que c'était un aquarium, donc vu l'aquarium de ouf, je trouvais ça bien qu'on voit une largeur de vitre, hein, comme sur un vrai aquarium où il y a vraiment une vitre puissante. Enfin bref, bon, on y reviendra messieurs, mais là il va falloir qu'on fasse une chose, c'est aller capturer nos premiers poissons pour les mettre dedans. Alors j'ai par contre, ouais. Je sais pas du tout comment ils fonctionnent, moi j'ai des autres poissons, j'ai récupéré, j'ai... T'as essayé de les lancer dans l'eau, non? Bah... je sais pas, ça marche comme ça. J'ai du anglerfish, j'ai du saumon, du piranha. Bah, on va essayer. Ouais, mets-les dedans. On va essayer. Je l'ai jeté. Pire, tu mets Cénor avec. Hein. Cénor, nous allons te confier une mission. Ouais. Oui. Va te poser des œufs au fond de l'eau. Il va falloir que tu meurs. Mais non, je vais pas mourir. Ah, je prends un bain avec Cénor du coup. Là. Bon, on regarde qui reste le plus longtemps sous l'eau, Oro. Ouais, là, un concours. Donc... vas-y, je te laisse respirer. Bon. Non, ça va. Bah, j'ai lancé mon œuf. Ça fait déjà 10 minutes qu'il est sous l'eau. Il n'y a pas de poisson dedans. Non, il n'y a rien. Ok, j'ai perdu un œuf. Ah oui. Keep watch, eggs watching, acting soon. Variety creature look. Il se passe rien. Bon, faut que tu restes à proximité en fait. Ouais. Les œufs, ils. Ah, ils sont là. Ah, les œufs, ils vont finir par éclore. Ils vont les apposer, mais ils vont être là. Merde, faut que je respire. Donc moi je voudrais pas ma deuxième mort. Il y en a un, ah, bah, y en a un, il est dehors. Attends, j'ai un œuf de poisson, il est dehors. Faut que je le pousse. Ils ont glitché, ils là, ont les œufs. Il est où? Non. Ils ont glitché, ils sont remontés. Tu les as pas ramassés les œufs là, hein? Si, je crois, non. C'est Nord. Non, j'ai rien, moi, dans ma main. Regarde si je les ai ramassés. Ah si, je les ai dans la main. Tout va bien. Voilà, faut pas que tu passes dessus en fait. Pose-les et laisse-les. D'accord. Dedans, il y a des piranhas, donc pour information, une fois que vous êtes dans l'eau, faudra se barrer vite. Ouais, sinon on va se faire manger. Ils attaquent même les truites? Non, bah, les truites, c'est leur repas préféré. Voilà, ils vont. Ah, regarde, tu vois, ils sautent. Attends, faut que je respire, oui, moi, absolument. Ils sautent, faut que tu t'en écartes. Il faut que tu t'en écartes, je sais pas combien il y en a. 4, ah c'est oui, ça. Ils sautent et tout. Ils sautent, les petits. Ah, est-ce que je vous mets le bon shader? Oui, je vous mets le bon shader. Non, voilà, comme ça vous verrez beaucoup mieux. Voilà, ah bah oui, c'est là. Oui, il n'y a pas à dire, hein. Le shader. Ah oh. Merde, ça me demande de choisir le nom. Ah. Ah bah non. Ah, il y en a un qui est quoi? Il y en a un qui est clos, il est sur toi, Alex. C'est une truite. C'est une truite. Oh, elle est belle cette truite. Oh, ça va être nice. Alors par contre, je vais virer un peu de luminosité, je pense, vidéo. Ça va être très chouette quand on va mettre le requin avec. oui. Non, ils se bouffent pas entre eux. Ils se bouffent pas, j'ai pas l'impression. Non. Mais je vais jouer sans shader si ça continue. Hein. Parce que clairement... Là, il faut peut-être trouver des shaders un peu moins foncés. Ouais, voilà, je les ai. Parce que là je les vois bien. Aller. Je les vois bien et... Putain, ça va être trop nice l'aquarium. Attends, quand je vois sans shader, c'est hyper classe, quoi, l'aquarium. Donc oui, les shaders, ils apportent un côté super sympa. Alex Fish. Mais tu me diras... Oh bah non, mais renommez pas mes poissons, bordel de merde. On n'est pas obligé de les renommer, mais... Oh les boulets. Oh ça, c'est un piranha, ça. Ça, c'est des piranhas, là. Ah, là en rouge. Je ne savais pas, Alex, j'en suis désolé. C'est pas grave. Celui-là, c'est sera... des piranhas, ça, le Alex Fish, là. Juste un piranha, oui, Alex Fish. Bah, il a l'air tout à fait mignon. Normalement, il est mignon. Bah, celui-là, il est apprivoisé. C'est son pote qui ne l'est pas. Normalement, bah, il devrait y avoir un quatrième. Bon, pas pote, il est plus gentil aussi. Hein. Alors, regardez-le là.
On va pouvoir aller... Qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de se barrer, c'est ça le piranha. Bon, ça va être sympa, donc il va falloir en ramener un maximum. Mais je pense clairement, chers amis viewers, bah dites-moi justement ce que vous en pensez, que je vais laisser celui de base, en fait. C'est quand même très joli avec celui de base, hein. C'est différent. C'est pas pareil, vous voyez. Je vous montre ce décor avec sans shader. Ah oui, sans et avec, oui. C'est quand même différent sur les distances, surtout sur les ombres, en fait. Sur le lever de soleil. Et c'est surtout qu'en fait, vous voyez vous voyez bouger les décors avec le shader. Sans, voilà, c'est immobile. Bon, après, je trouve que pour l'aquarium, c'est largement plus joli. On va descendre, vous voyez, on va descendre. Cette porte du jardin, pensez à la fermer, hein. Parce qu'après, il y aura des animaux. Donc, prenez l'exemple. Oh, regardez. Oh, c'est classe. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Regardez. Ah, il est mis devant moi, là, mais... ça va être sympa. Donc, il va nous falloir un bon paquet de poissons, messieurs. Donc, on va commencer dès aujourd'hui. Je pense qu'en off, on ira en chercher d'autres, hein, de toute façon. On vous a montré un peu le principe et tout ça. C'est classe avec le saumon et tout, là. Ouais. De qui que tu traites de saumon? Donc, on va créer aujourd'hui des filets. On va falloir qu'on crée des filets. J'ai les strings, j'ai machin. Et on va aller. Je sais pas si on prend le Zepclic ou un plus rapide. Peut-être qu'on va prendre un plus rapide, une table de ouais, craft. Peut-être pas genre, ouais, le Zepclic. Donc, il est là, je l'ai préparé. Le fishnet. Il nous faut donc 3 dents de requin et du fil. Je vais en créer un certain nombre. Voilà. Ah, c'est un par un, d'accord. Donc, on peut capturer avec de mémoire les poissons, mais aussi les crabes. Donc voilà, j'en envoie à mes compères. Putain, je peux pas en. Moi j'en ai un. Et c'est un par truc? Oui. D'accord. Voilà, c'est j'ai cher niqué quand même. Toutes les dents de requin. Donc moi j'en ai 4, je sais pas combien vous en avez. J'en ai 4 aussi. J'en ai... Donc on va en distribuer pour que Tado et la truite en aient aussi. Dans et la on va y aller. Merci. Je sais pas avec qui. Bon, il y a les poissons Alex Fish. Ok, et on va aller, je sais pas quel vaisseau on va prendre, vu le nombre qu'on est, ça sent qu'on va sortir le... Le Zepclic. Ah bah oui. Le Zepclic quand même. Alors direction le quai. Voilà, direction le quai. Je vais rester sur ces. Vu qu'on va travailler dans l'eau, je vais rester sur sans shader. Hein. Vous voyez, là, vous découvrez la ville différemment. Ouais, pareil. Vous vouliez que une visite de StarClick, vous l'aurez bientôt. Voilà, c'est parti. Alors, attends, je baisse le son. Tu l'as pas présenté, hein. Faut le présenter quand même, ce vaisseau, Alex. Ouais, si, je l'ai présenté, dessus. C'est l'épisode d'avant. Oh, pardon, excuse-moi. Bah, je ne l'ai pas vu, c'est t'excuse. Pour ça. Hop là. Si tu pourrais essayer de tenir au courant un peu. Hein. C'est bon, c'est assemblé, c'est bon. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à bord de Zepclic, à destination de j'en sais rien, on va essayer de choper les poissons. Merci de garder les pieds et les mains à l'intérieur. Dites-moi quand vous êtes tous là. Tout le monde est là. Ah non, je voulais être tout seul sur mon fauteuil. C'est non, t'as Sénard à côté de toi. C'est parti, on va prendre ça un peu d'altitude. Poisson. À tous les coups, tu vas voir que c'est la nuit bientôt, c'est ça? C'est ça. Les... Donc, on va aller chercher des poissons. De toute façon, je crois que la pleine mer, c'est ce qu'il y aura de mieux. Hein. Je sais pas, pour les petits poissons, si la pleine mer, c'est le mieux ou pas. Oui. Ah, il nous faut des poissons clowns aussi, hein, pour information. Alors, avec ça se pêche. Ce qui me fait chier, ça se pêche, mais ça meurt quand tu l'as pêché, non? Non, mais le poisson clown, c'est un poisson de... Enfin, il y en a dans le mot créature aussi. Oh, ouais, je crois. D'accord, ouais. Parce c'est que quoi, t'as un item. C'est quoi, ça? Vous voyez ce que des je tapes, vois, non? Non, mais là, au milieu des taupes, il y a un vaisseau. Il y a un vaisseau de où quelqu'un. Il y a un bateau. Tu le vois pas en dessous? Ah, saumon. Non, je vois pas. Alors, je deux vois choix. La taupe, mais... On peut faire deux choix, en fait. Ou on peut tuer le saumon pour essayer d'avoir des œufs de saumon. Ok. Qu'on ne renommera pas forcément. Ou alors... Sauter. Ou alors on le capture. Ah, il y a un vaisseau. Ou alors on le capture. Mais... Mais, j'ai dit mais. Wow, voilà. Où ça lag, t'as désassemblé. Ouais, c'est fait exprès, j'ai désassemblé. Ah putain, je suis dans la merde pour remonter. Non, ça va. Je vais pouvoir vous remonter facilement. Donc, ou on le tue ou on le capture. Je ne sais pas comme vous préférez. Capturé. Non, capturé, il est tombé dans le fond. Ah, ça doit pareil. J'y vais. Ah, j'en ai un de poisson. Vas-y, là. C'est j'en ai des jolis. Non, par sur contre, ta droite. Je vois rien, il fait tout noir. Sur ta droite. Là où je suis, sous mes pieds, sur ta droite. Là, c'est nord, tu viens en fait, sur ma position faut après, parce que légèrement moi, je peux pas me permettre. Faut vous placer légèrement en dessous quand vous voulez le capturer. Ouais, mais j'étais bien en dessous, mais il est quand même tombé. C'est le poisson qui est tombé ou le filet? C'est un filet. Ok, je regarde.
Moi je cours après un poisson vert qui apparemment doit être un poisson vert de Minecraft de base. Moi j'ai ramené le bateau au bord. Ouais, le au poisson clown c'est pareil, en fait c'est les poissons. Oh merde, de la base. Potion fait plus effet. Et t'es sûr, Méa, quand on les pêche, qu'après ils seront encore vivants si on les remet dans l'eau? Ah non, le poisson clown de base de Minecraft c'est juste un objet, genre tu le pêches et il sert pour nourrir les chats. En fait ça te permet d'obtenir le chat roux à tous les coups quand ouais, tu mais je peux pas, je peux cela de poisson, putain, fais chier. J'ai des jaunes, des verts, je peux pas les mettre dans mon aquarium. Je sais pas ça. Ce que tu pêches en tout cas avec la canne à pêche. Fais chier. Regardez, Sénor nous fait la technique de la. Non, c'est Tado. De la torche. Ouais. Ah, GG. Et là, j'ai déjà un poisson. J'ai un fichard. J'en ai un, mais j'en ai pas. J'en ai un aussi, moi. T'as réussi à ramasser Sénor ou... Non. Je sais pas d'ailleurs si les requins c'est seulement à l'œil de. À l'œuf de requin ou si c'est. Bon, attendez, je remonte dans le vaisseau. Bon. Ça fait un peu moche de voir la pile de sable, mais on va en faire. Ok, messieurs, vous pouvez monter quand vous voulez. On va voir. Attends, si je on suis trouve en une autre bon. Cible. Je vais suivre Méa, ne coule pas. Je suis en chasse. Et vous savez que je peux passer en mode sous-marin aussi. Hop, j'en ai un. Oh putain, mais oh, freine Alex, freine, s'il te plaît. Mais est-ce que tu peux monter là? Non. Là, je suis en train de spammer. Voilà, ça y est. Donc, c'est par où l'Amérique? C'est par là. Par derrière. Je sais pas du tout où je vais. Tu vois, ces poissons là qui sont en bas sont magnifiques, mais comme c'est des poissons Minecraft. Non, les poissons dans l'océan. Le seul truc que tu croises dans l'océan en entité sur Minecraft, c'est les poulpes. Bah alors, les poissons clowns et tout. Ça, c'est des petits poissons. Le poisson clown. Comment on va les choper? J'y arrive pas avec le filet. Avec des bocaux. Moi j'en ai prévu deux. Il j'en faut pas utiliser les bocaux, ils sont buggés. Quand on va tuer les bocaux. Ah, ils sont buggés. Bonjour. D'accord. Par contre, comment on fait de suite là pour pêcher les petits là? Les poissons clowns. J'ai pêché un petit. Au filet? Un petit rectangulaire. Il y a un éléphant, tu veux pas un éléphant? Non, bah dans l'aquarium, c'est-à-dire qu'il restera pas grand place après, monsieur Oro. Mais c'est très gentil à vous d'avoir proposé. Il y a un grizzly à droite, mais pareil. Ça me tente pas des masses. Au fond, il y a un cheval. Tado, veux-tu prendre un cheval? Pour Tado, là. C'est un non, mais et... on va s'en occuper ce soir, donc quelques jours avant que Deol sorte avec sur le live de Kiwi. On va aller chercher des chevaux. Allons-y. On va pas faire un épisode de 50 minutes non plus. Ah, y a un village. On va déjà choper les premiers poissons et les ramener. Là-bas, il y a un panda. Fait chier, on croise toutes les espèces qui sont chiantes à choper maintenant. Ça reste toujours comme ça. Et un Enderman. Oui, ah bah pêche-le, on va le ramener. On va ramener l'Enderman. Et on va le mettre dans l'aquarium. Je dois être aveugle, hein. Ça se trouve, on a croisé masse poissons. Hein, mais Ah, moi je regardais pas dans l'eau en fait depuis le début. Ah, je regardais le ciel, j'attendais que les poissons volants me tombent dessus. Merci Oro, hein. N'hésitez pas si vous avez d'autres interventions intelligentes comme ça. Tu veux pêcher un zombie ou pas? Non, c'est... non, les zombies j'aime pas trop. Je suis en train de remonter le fleuve en fait là. Bah là, le fleuve, ouais. Il va pas bien loin, il y a un dindon, si quelqu'un veut un dindon. Non, ça va, parce que les animaux, on a déjà l'astuce. J'ai une autruche. Les animaux, on a l'astuce pour... Oui, je me suis pris un arbre. On est rentré en collision avec un arbre. Les animaux, on a l'astuce avec les trappes, justement, pour pouvoir les faire monter. Ça, c'est grâce à Archimède Chip. On pourra les faire monter tous les animaux. Donc ça, c'est pas un souci. Ce qui m'arrange, d'ailleurs, comme ça, on sera pas obligé de les renommer avec un nom à la con, alors que les poissons avec filet, on va être obligé de leur donner un nom. Pas grave, ils auront tous leur petit nom, mais je trouve que ça fait moins vrai. Bah, à l'aquarium de ta maison, souvent les gens ils donnent des poissons, des noms à leurs poissons. Oh, ça va, je donne des noms. Moi je donne pas de noms à mes poissons. Moi non plus. Sinon, faudrait que j'ai une liste. Hein. Avec une photo, tu vois, et je un carte d'identité, quoi. Carte d'identité, comment t'appelles-tu? Bonjour. Style, en plus, tu lui demandes. T'es parlé de mon incon? Oui, c'est pour quoi? Vous pouvez répéter la question? M'en vivez bien, Arby. Bon, là, allez, attendez, hein, les gars, j'en ai marre, je passe en mode sous-marin. Ouais. Prenez votre souffle. Non, allez, on peut respirer, on est à l'intérieur. Ben, en fait, on a à peine les fesses mouillées là. Ouais, c'est bon, on trempe juste les pieds. Ah, les gars, je viens de croiser un réplicateur qui nageait, tout va bien. Ah. Oh putain, par contre, je vais crever moi, voilà, faut que je.
pas un requin, pas une raie-manta, pas un poisson à la con. C'est désert, c'est pas vrai ça. Bon, vous me direz, au moment où vous allez regarder cette vidéo, mon aquarium sera plein parce qu'entre temps, on aura trouvé plein de trucs, comme on attrape tel ou tel poisson. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, je crois que c'est un bug. On va faire droite. Des bateaux à moteur, tu vas voir. À droite. Ouais. T'as vu les plantes dans l'eau? Non, je vois pas grand-chose. Ah, c'est peut-être non, c'est peut-être des rizières. C'est des rizières. C'est Harvester. Il y a des algues aussi. Ouais. Ah bah attends. Des seaweeds. Ouais, il faut les trouver. Hein. J'en ai moi à la maison. Ah bah pourquoi on rajoute pas ça dans mon aquarium? Bah je sais pas. Le problème, je crois que c'est lui qui les a chez lui. Hein, il est pas partagé. Mais oh là, j'ai un lag. Attends, ouais, je vais pareil. Plonger pour voir ce que c'est ça. Enfin, je vais plonger. Je vais c'est vous des seaweeds. C'est des seaweeds. Ça, c'est des seaweeds, ça? Ouais. Bon, on va les prendre alors. On atterrit là. Yolo. Je saute. Blablabla. Blablabla. Alors j'ai demandé un désassemblage. Ouh, ça lag hein, quand tu désassembles. Oui, bah oui, bah c'est-à-dire que, regarde, j'aime bien le mettre à ce niveau-là, comme ça au moins on a un endroit pour... Mais en fait c'est des algues... Mais j'ai ramassé du riz en fait là. Ouais, c'est du riz ça, je vous avais dit c'est du riz. Ça peut servir au fermier. Non, non, mais il n'y a pas que du riz. J'ai des cranberries, j'ai du seaweed. Ricoli, ricoli. Je descends beaucoup trop bas, je vais jamais remonter. Ça ne pose pas en fait. Faut pas être con. Et là, je suis pas de shader là, avec ce ciel-là, j'ai pas de shader. Si, c'est un shader à accent. Ouais, tu fais bugger l'océan avec ton Attends, truc. Attends, j'ai un shader ou j'ai pas de shader? Ah, j'ai le internal, bah, d'accord. Voilà. Eh, c'est pas mal. J'ai chuté dans l'eau. Eh, mais t'as tout pété l'océan? C'est quoi ce maillage là? C'est toi qui as fait l'océan. C'est t'as moi. T'as pété l'océan, Alex. Oh, sous l'océan. J'ai tout cassé. T'as tout cassé. Non, mais en fait, l'océan. J'ai un shader, j'ai l'internal. Donc au moins le ciel est changé, j'ai des textures lissées et. Et au moins, c'est plus clair. Ouais, essayons ça, va. Ouah, c'est pas mal l'internal. Bon bah cassons-nous, on va pas trouver de poisson hein. D'habitude on trouve du requin partout et là que dalle. Ouais, les requins on en a jusque sur la plage de la ville d'habitude. Bah mais là non. Attention, je décolle. C'est bon, je suis assis à côté de mer à ce coup-ci. Ah merde. Ouais. Ah là c'était attends, décolle, là. Décolle. Ouais, reviens. On a oublié. Non, casse-toi. Démarre. Mais moi j'ai ne laisse pas là. Ah, faut que je descende. C'est en dessous. Allez. Phase 2. Oui, j'arrive. Putain, mais j'ai laissé un beau merdier. C'est moi, il est dedans. J'ai tué l'océan. Oui, t'as tué l'océan. Mais j'ai tué l'océan, c'est pas moi. Dessus, il y a une grosse faille et tout. Fais gaffe, il y a bon, six qu'on va faire, qui messieurs, vu le temps, de toute façon, on ira farmer en off ou ça sera sur un live ou quoi, on aura le temps. C'était juste pour vous montrer aujourd'hui les viewers. On va rentrer à la maison si quelqu'un peut m'indiquer par où je vais là. Bah, non, par là, j'ai un item, donc c'est bon, tout droit. À droite, à droite. Non, c'est pas à droite, c'est tout non, droit. Non, c'est bon. Salut Tado, tais-toi Tado. Donc voilà, mes chers viewers, c'était pour vous montrer un petit peu ça. Donc on va rentrer jusqu'à la maison. Il y en a un qui s'est vautré là, non? Non, c'est Mia qui me tape. Ah oui, d'accord. On va rentrer là jusqu'à la maison, là, clairement. Et puis à partir de là, on va mettre les poissons et on se quittera là, mes chers amis. Ça fera à peu près 40 minutes de vidéo. Donc le temps de rentrer à la maison, d'éviter de prendre des collines dans la tronche. Et oui, on sera une bon. Montagne, hein. Oui, bah une colline, une montagne. Si tu la vois pas. Ouais, bah je l'ai vu. Ça ne passera pas. Je gère. Je suis un professionnel. De ah, ça a touché, je crois. J'ai touché quelque chose. Ça a touché. Je suis à l'arrêt. Le bloc est tellement énorme que je crois qu'il n'est pas passé sur l'arbre de gauche, c'est pour vous dire. Ouais. Je suis du ouf. Il va falloir aussi que je me gare. Attendez, je fais une espèce de manœuvre magique de Taïwan. Voilà, je fais un créneau. Manœuvre mais t'es pas arrivé. Voilà, encore loin. Bip, 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 bip. T'as de la marge encore pour un match. T'as de la marge, hein, t'as de l'océan tout devant. Bah non, mais là, il avance, je suis au ralenti. T'es trop haut, non? Trop. Non, c'est pas une question de hauteur. On a. Qui c'est qui a. Il y a un trou dans le ballon. Ah, ça se dégonfle. Bah, j'ai l'impression qu'il y a un trou dans le ballon, moi. Non, mais il y a vraiment un trou dans le ballon. C'est avéré, il y a réellement un trou dans le ballon. Ouais, comment ça, il y a un trou dans le ballon? J'avais cassé le zèbre. Ah, mais il y a un trou dans ton ballon. C'est une montgolfière en fait. Mais qui c'est qui a pété le bout là? Je veux un. Méa? C'est pas vrai. Ah, bah, gros comme une maison. Quand on a fait le test d'inauguration, il y était déjà. Mais qui c'est? Pourquoi? Et j'ai un trou dans le ballon et personne me le dit. Parce que si c'est tu mets un bloc vrai, en arrière, c'est ton truc qui décolle pas. Bah, attendez, c'est normal qu'on avance au ralenti. Les viewers se posaient des questions. Bah voilà, on a un trou dans le ballon. Regardez j'ai la plaque en bois. C'était une montgolfière, moi, du coup. Ouais, tu t'es mis à souffler dedans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, au moins j'aurai des filets d'avance. Vous pourrez me rendre les filets et j'aurai des filets d'avance. Ah, je croyais que c'était un cadeau, moi.
Ah merde, merde, faut pas que je monte ça, faut pas que je monte la centrale à Fox. Non, ouais, je vais galérer à faire mon créneau là. C'est le seul endroit où je peux le garer sur le quai, donc. Je saute. Donc. J'ai rebondi dans les vides d'Alex, quoi. Ouais, il suffit toujours qu'on tourne un épisode pour que mon mobile sonne en boucle, hein, mes chers viewers. C'est une habitude, je sais pas, les gens doivent savoir. Oh, il tourne, faisons le chier. Première fois que le parachute fonctionne, évidemment, on est au-dessus de lui. Ouais, bien évidemment. Moi, il a pas fonctionné. Non. Moi, il a marché. Alors, attends, je fais mon créneau. Vous pouvez pas attendre que je sois garé pour sortir? Est-ce que quand vous... je voudrais vous voir en bagnole? Dans l'avion, vrai, bah, ouais, je saute. Hein. Ouais, les autres, ils arrivent, ils attendent pas à l'aéroport. À l'aéroport, boum, je saute. Donc, moi, je saute là. Genre, je, c'est bon, je là, tu peux désassembler. Ça va laguer, voilà. C'est normal, c'est le désassemblage. Je ferme ma cabine parce que faut me laisser tranquille. Putain, c'est ici qu'il y a un trou dans la rustine. Oui, l'intérieur, vous imaginez bien que sinon on aurait dépassé les 2000 blocs. À l'intérieur, c'est vide, un ballon, hein, c'est creux. C'est un ballon, c'est creux. J'ai eu l'eau. Bon, on va aller mettre les poissons. Alors, si jamais ils vous demandent de les renommer, eh bien. Qui c'est qui a un poisson là d'ailleurs? Moi. Viens ici. Viens ici. Non, mais Tado, il a un poisson. Je te laisse. C'était 6 en Tado. Non, mais je vais te laisser le renommer, mon cher Tado. Ça me paraît normal. Tiens, tu vas pouvoir le renommer. T'es sûr? Si jamais. Oui, bah t'évites les insanités, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas ma vie. Donc, ceux qui ont un poisson, vous allez pouvoir le renommer chez moi en descendant dans le. Mettez-vous bien dans l'eau. Et ceux qui ont des filets, bah, vous les mettrez. Non, ne pensez même pas. À l'entrée, voilà. Allez-y, rentrez, je vous en prie, je vous en prie. Je vous en bonjour, prie, je me suis les pieds, attendez. Ah oui, bah oui, c'est mon. C'est la seule chose de déco que j'ai chez moi, sinon tout le reste est vide. Allez-y, la truite. Merci. Oula, oh putain, il est beau, mon poisson. Oh, comme il est énorme, ton truc. C'est qui? Ben, ton la poisson, suite hein, qui est là. Tado président. Mais non, tu le vois pas, Tado président. Oh. Mais il est énorme. Ah, il y a un poisson tout jeune aussi. Génial. Fail click, Tado président. Donc, en gros, régulièrement, les gens pourront ramener. Alors, moi, je sais pas comment je vais l'appeler. Oh, l'autre, il a grossi. L'autre, il y en a un qu'on a appelé la truite. Il y en a un qu'on a appelé la truite. Non, non. Il n'y a pas de la truite dans l'aquarium. Ah si, je ne sais pas, je sais pas si c'est une truite. Ouais. Comment, non, je crois que c'est un saumon, non, mais il n'est pas gros. Ah, c'est comme Tado président, mais en plus petit, j'ai l'impression. En plus petit, il va grossir. Il va grossir, je crois qu'on peut leur donner de la bouffe, justement. Et ben voilà, on a réussi à capturer un petit jaune, donc je devrais avoir moyen d'en capturer d'autres. Il enferme des petits jaunes dans sa cave, Alex. Fail click, il y en a qui ont des noms, il y en a... Comment je vais l'appeler, je sais pas. Je pense que c'est mieux de les lâcher dans l'eau. Ah oui, tu penses? Mais parce que là, ils ont l'air de rester en surface. En surface, c'est un peu con. Attends, je vais les ouais, mais j'arrive pas à revenir en arrière, je dois donner un nom là. C'est peut-être parce qu'on est là qu'ils sont en surface. Tu vois, regarde. T'as ouais, c'est pas, ça. Il est venu avec nous, regarde, il est là. Il veut de la ouais, compagnie en fait. Ouais, mais il remonte. Voilà, dans, ça sur c'était obligé. Voilà, je lui dis, choose your pet name. Il est où? Il est au milieu. Trou du cul. Ah, trou du cul, il est là, d'accord. Et ça m'a rendu quand même. Ah ouais, donc ça garde les. Ça me rend le. Le filet. Le filet. Ouais. Le filet. Si t'as deux filets dans ah, le. Ah, donc ici. C'est bien ce que je disais. Ah, ce que j'allais dire, sinon c'est cher quoi en filet quoi. Bah, à chaque fois c'est clair sur un filet. Ouais. C'est surtout moi, que ça se stack pas hein, donc. C'est un peu le problème. Ah oui, c'est vrai qu'ici il y a des œufs et des œufs de coral snake spotted. Ok, attendez, je vais les remonter ceux-là. Ainsi que ça aussi. Eh bien, merci messieurs, on va aller voir juste l'aquarium. Ah, je rangerai après. On va pas jouer le méticuleux. On va aller voir ce que ça donne justement. Épée, il a pas bougé depuis tout à l'heure? Non, non, Épée, regarde les poissons. Il fait une sieste. Il a FK. Donc ici, je rappelle que ça sera un salon, vous voyez. Et puis une fois en fait qu'on est là, ok, d'accord. On va s'en sortir bien. T'es, il est énorme, Tado président. C'est classe, hein. Mais c'est classe par contre. Regarde, Alex Fish, il est coincé dans le fond là. Ouais, je crois, il est coincé. Ou alors il fait de la merde comme d'habitude. Il se cache. Maintenant, il se cache. Regarde, il est à droite dans le fond. Mais le Tado président, il a bouffé tout le monde ou quoi? Il a bien bouffé à la cantine. Oh, mon Tado, comment t'as pris du poids? Non mais c'est très classe. Bon, par contre, apparemment, ils aiment pas la déco là. Ils se bloquent. Non, il va sortir. Il se cache à mon avis. Ah ouais, mais c'est bien ça. Bah ça fait vraiment sympa, vraiment ici il y aura un salon, après on pourra tout regarder, et bah je trouve que ça fait vraiment sympa. Je suis même pas sûr d'avoir envie de mettre un requin ou une rémanta, peut-être une rémanta qui va rester dans le fond. Manger non, pas forcément. Par contre la rémanta, je crois qu'il y en a deux sortes, une qui reste à la surface et une qui reste dans le fond. J'aimerais capturer une qui reste dans le fond. Et je pense que ça serait vachement sympa, une qui n'a pas besoin de me remonter régulièrement. Ah oui, faire comme les nettoyeurs dans les aquariums. Oui, ouais, alors nice. Nous allons
tu parles d'un aquariophile, on va rediscuter de ça très rapidement, mais alors tout ce qui est d'origine Plecostomus ou autre, ce ne sont pas des nettoyeurs, ce sont en effet des poissons de fond, mais ce ne sont pas des poissons poubelles, ils mangent des choses. Mais il faut pas prendre ce genre de poisson, mesdames et messieurs, pour dire que ça va nettoyer le caca des autres. Ça ne bouffe pas la merde des autres. Ça mange des choses, mais c'est pas des poissons nettoyeurs. Ils bouffent les algues qu'il peut y avoir sur les vitres, mais beaucoup de gens les achètent en se disant que ça va tout nettoyer, tout bouffer le caca. C'est faux. Il faut nettoyer son désolé, quand même. Et en plus de ça, il faut savoir qu'un Plecostomus, par exemple, c'est pas pour un bac de 20 litres. Hein. C'est un poisson qui devient gros, très gros. Même pour un 80 litres, un Plecostomus qui se sent bien, il va grossir le pépère. Enfin bref. Ah, on sent l'expert. J'adore ça. Non mais clairement, je suis un grand fan d'aquarium. Principalement au dos, j'ai jamais eu les moyens de l'eau de mer. C'est beaucoup plus cher. Enfin bref, il va nous falloir des piranhas. Mais je pense qu'à part une raimenta, on va peut-être laisser que des poissons comme ça. Et on va essayer de mettre de la diversité. Parce que je pense qu'un requin va faire tâche. Il faudrait quelque chose de plus grand. Ah ouais. Oh, merci Tado. GG Tado. Un peu près de la vitre quand même. Un peu. Mais... Et tellement où j'ai failli. Oui, il faut pas plus près parce que voilà, sinon je pense que tu finis dans le TP dans l'aquarium. Et justement, je pense que je vais faire un petit salon ici. Je verrai quand je fais ça. Je vais faire un salon ici, ça sera vraiment sympa. Mais je pense que oui, le requin ici n'a pas forcément sa place. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est plus sympa avec des poissons. Il serait trop gros, je pense. Ça sera plus mignon avec les poissons. Ouais. Autant mettre plein de petits poissons et avec un peu de chance, on aura plusieurs tas d'eau présidents. Mais au moins, comme ça. Non, ça fait vraiment classe. En tout cas, merci d'avoir été avec moi, mon cher Oro. Bah, de rien. Mon cher Tado. Mais de rien, avec plaisir. Ma chère Tweet. Merci à toi, Alex. Mon cher Mea ne coule pas. Quand tu veux. N'hésitez pas à aller voir leur chaîne, justement, descriptive de cette vidéo. Et surtout, un grand merci à une personne qui, pour nous, est Dieu Tout-Puissant. Notre religion, c'est cet homme. Il ne nous entend plus, même s'il est un peu universel. Ciel, du coup, voilà. Un grand merci à Anistratrol. Cet homme remplir la mention. Voilà, mesdames et messieurs, au revoir et à bientôt pour la suite des aventures. Président, il a mis un dièse quand même. Hein. C'est un président des... Ah, il a mis un point d'interrogation. Il n'a pas les accents. C'est un point d'interrogation Zidane. Voilà, mesdames et messieurs, au revoir. Au revoir.